Bienvenue sur Medfun Academy, donc nouveau jeu gratuit de construction en monde persistant. Ici nous sommes à la borne d'accueil. Donc l'idée c'est de créer un personnage et sa maison, son mobilier, son équipement et dans les 48 heures, votre maison apparaît dans le jeu. Autour d'un village qui appartient à un peuple. La première chose à faire quand vous arrivez, c'est de prendre un personnage. Prendre puisque vous allez retenir le lien. Donc, tapez X pour ouvrir la première fiche de personnage, les fiches vierges. Et vous cliquez droit sur les cases à remplir et vous prenez l'option commentaire. Là, vous indiquez un nom. Le peuple, vous n'êtes pas obligé de le choisir maintenant puisque vous pourrez revenir pour le faire, c'est le même fonctionnement, clic droit. En bas de la fiche, vous avez trois onglets, donc le premier onglet, nom de personnage et peuple. Le deuxième, c'est les références pour la maison, voire les illustrations. Et le troisième onglet, c'est le mobilier et l'équipement, les références que vous allez collecter. Vous avez un deuxième document à ouvrir, impérativement c'est important, et ça vous permet d'ouvrir votre feuille de personnage dans un second onglet de votre navigateur, et surtout de recopier, voilà, CTRL-C, CTRL-V, recopier surtout ce lien, puisque c'est un lien unique qui vous permettra d'être en lien avec le meneur de jeu, l'administrateur, et d'être seul à accéder à votre personnage. À partir de là, votre feuille de personnage étant constituée par le nom que vous avez choisi, je vous conseille de commencer, on commencera par la maison, hein, mais on va déjà aller voir quels peuples sont disponibles. Donc pour se déplacer, il faut aller sur les flèches, qui vous téléporte dans différents endroits de l'univers. Vous allez arriver dans ce cercle là et vous pourrez choisir parmi les six peuples, les nains, les gnomes, les elfes, les lièvres d'un ou l'équivalent des hobbits, les orques et les humains. Voilà, ça vous donne une idée des peuples dans lesquels vous pouvez jouer. Et on va retourner à la quête principale. Par ce biais-là. Ensuite, nous allons choisir la maison. Ici, donc, les maisons disponibles se trouvent dans ces petits cadeaux. Vous ouvrez en tapant X et ça vous donne une idée des maisons à disposition, en sachant que ces images seront paramétrées de manière à ce que vous puissiez vous déplacer dans la maison sans passer à travers les murs, par exemple. Ces bâtiments seront accessibles. Voilà. Donc ici vous avez une molette pour pouvoir voir l'image d'abord en réduction et voir l'agrandir. Les nains. Voilà. Ici vous avez toujours l'habitat des nains, habitat sylvestre. Non, c'est pas celui-là, celui-là. Voilà. Deuxième habitat sylvestre. Non, ça c'est habitat lièvre d'un et hobbit. Ici, on a une tente d'aventurier. Une tente orque. Voilà, donc il y a vraiment du choix. Et il y en aura de nouveau prochainement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand vous passez sur un objet, ça marche pour tout de la même façon. Vous avez le nom d'objet et une petite référence alphanumérique, la HH5.
qu'il faut retenir, puisque c'est la référence que vous allez noter sur votre feuille de personnage pour que le meneur de jeu crée votre maison connectée au village. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre maison, noté la référence, et ben vous retournez à l'accueil. Et à partir de là, vous pouvez commencer à vous pouvez remplir la feuille de personnage dans la section maison. Et ensuite, là, on passe à la section mobilier. Voilà, ici vous avez une espèce de grande, sur cette terrasse de grande exposition, tous les meubles et objets que vous pouvez acquérir. Sur la feuille de personnage, on montrait la limite, ça doit être de 5 à 15 objets que vous pouvez choisir et déterminer et noter sur votre feuille de personnage. À chaque fois, vous avez un élément de référence pour le noter. Alors, une petite chose qui peut être utile, c'est une fois que vous avez choisi votre plan, imaginons vous avez 5 objets, vous voulez peut-être préciser où vous voulez mettre ces objets. Vous avez cette flèche-là qui vous explique comment noter ceci sur votre feuille de personnage. Et tout simplement en intégrant un plan avec l'emplacement des objets. Dans ce document-ci, voilà. En tapant X, il s'ouvre, et là, vous pouvez intégrer un plan. Donc, c'est insertion image, par exemple, à partir de votre ordinateur. Vous pouvez avoir préparé une image, ou la dessiner directement dans le document, en faisant des croix et en indiquant sur le plan de votre maison où vous voulez que les objets soient. Sinon, ce sera fait par défaut. Voilà. Ceci fait, vous retournez à l'accueil. La partie équipement, c'est l'autre face. Voilà, ici, on a plus de détails sur les deux des équipements plus petits. Voilà, vous êtes téléporté, mais vous ne changez jamais d'univers. Vous êtes toujours dans ces ruines. Voilà, donc, on a fait la maison, le mobilier, l'équipement. Maintenant, on peut aller explorer plus en détail le peuple. On va prendre les Guirodins, par exemple. Et dans chaque peuple, vous avez toujours au moins trois types de bâtiments qui sont indiqués sur la carte du cœur de village. Le marchand, où vous trouverez les objets que vend le peuple en question. Donc ça peut être le peuple auquel vous appartenez ou un des autres peuples. Et là, on va aller dans le cœur du village. Vous avez un temple. Le temple, ça vous permet de connaître, on va dire, les objectifs communautaires, c'est-à-dire la communauté des joueurs, et le coût de vos objectifs personnels. Par exemple, si vous voulez rajouter une pièce dans votre maison, c'est ici que vous avez une idée du coût que ça peut avoir en points de rang. Il n'y a qu'un seul type de points à connaître. L'oracle, c'est un peu c'est le journal de chaque peuple que vous pouvez remplir RPHRP, c'est-à-dire roleplay ou hors roleplay. Vous avez un peu de jeu de rôle. Mais si vous êtes simple visiteur, vous ne jouez pas au jeu, vous pouvez aussi laisser des messages hors replay. Voilà.
puisque c'est une communauté métavers, c'est accessible H24 par tout type de visiteurs. Voilà. Voilà, pour l'instant, et donc même les maisons sont ouvertes et tout le monde peut visiter. Voilà. Peut-être que par la suite, si on a trop de monde sur les serveurs, on limitera les accès, mais pour l'instant, c'est open bar. Voilà. Alors, je disais, il y a l'oracle qu'on vient de voir, on a vu le marchand, on a vu le temple, et chaque peuple a une mairie. Voilà. Et là, ça vous permet de savoir, non pas comme dans le temple où vous savez comment dépenser vos points, là, c'est comment gagner des points. Ça vous permet de savoir un peu quel type d'action vous pouvez faire pour augmenter votre score en aura. Et bien sûr, tous les documents sont accessibles et peuvent être remplis via la section commentaires. Voilà. Donc, on a fait un tour rapide, mais complet, de ce qu'on pouvait faire dans ce jeu. Voilà. Donc je vais mettre le lien d'accès dans la description de la vidéo et je vous donne rendez-vous sur place et à très bientôt.